Mademoiselle, messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une analyse de game en direct. Vous le voyez dans le chat, faites coucou à YouTube dans le chat s'il vous plaît. Ça va être un Swain qui a été joué par Teletubbies. On est sur du niveau bronze 4, donc à mon avis, il y aura plein de choses à voir au niveau placement et tout. Selon ce qui se passe au niveau de la link phase, il est possible que je coupe la vidéo, le replay et tout. Je sais pas, après la link phase quoi, parce que parfois aller plus loin n'a que peu d'intérêt. On verra un peu ce que ça va donner. Mais voilà, YouTube, vous avez fait coucou, évidemment, vous pouvez vous abonner maintenant, vous pouvez drop votre pseudo en commentaire. Parce que je peux analyser vos games aussi, c'est important. Si, évidemment, j'ai votre pseudonyme, si je ne l'ai pas, je ne peux pas. Donc, dans cette game, on est Swain du côté de Teletubbies, hop. Et on va jeter un petit coup d'œil. C'est donc un Swain support avec une MF. Beaucoup de dégâts au niveau de la bot lane. C'est ce qui va nous intéresser. Attention, par contre, il n'y a pas de range. Donc, se faire grab par le Blitz, c'est dangereux, tant pour la MF que pour la... Pour la MF et pour le Swain, pardonnez-moi. Oh là là, j'en perds mes mots, j'en perds mon latin. Sachant que je ne parle pas latin, c'est vous dire. Bref. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc évidemment dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions, que vous en avez en live. Hop, on accélère un peu tout ça parce qu'on s'en moque. Ici, la cover est mauvaise. Alors, parlons de la cover. On voit rien. En fait, on voit rien. Si on voit les adversaires, c'est que si lui voit les adversaires quand il est là, c'est qu'ils sont déjà trop proches et qu'ils peuvent le grab. Pareil ici. Donc en fait, le plus safe, globalement, ça peut être typiquement de mettre une ward là et de se positionner genre ici. Parce que ici, après, si tu le vois venir bot, tu le vois de loin. Ou mettre une ward là et une ward là, par exemple. Et de l'autre côté, voilà, juste être ici. Parce que ici, tu vois le blitz arriver tout droit. Si tu te mets là, en fait, le moment où tu le vois, s'il fait le tour, c'est trop tard. Donc, essaie toujours de réfléchir vos placements en défense. Pourquoi, quand, comment. Et comment on gère ça. Ok. On va reculer la caméra. Oui, oui. Donc, bon, ici, la MF, elle aide pas du tout au niveau de la jungle. Très bien. Hop, faut retourner au niveau de la bot lane. Là, il y a une prio adverse au niveau du push. Il y a un blitz. Donc, là, évidemment, on joue pas trop proche parce que le blitz peut grab à n'importe quel moment. Il faut juste reculer, accepter de parler creep. On a de la chance. Le Blitz, ça pourrait jouer beaucoup plus avancé. Hein. Il n'y a pas de creep. Le Blitz pourrait jouer ici et menacer d'un grab. Mais bon, ah bah. Mais c'est un peu bizarre ça, tiens. Gardoub, est-ce que tu n'as pas anticipé parfaitement ce qui pouvait se passer? Oh. 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 Oh là 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 là, c'était incroyable. Parce que le flash de MF, au moment où la quête flash, ça c'est de la pure luck, mais la quête après qui se fail complètement. C'était colossal. Mais bon, tant mieux. Donc là, il y a des creeps à prendre pour Teletubbies. Faut juste last hit. Par contre, Teletubbies, ce qu'il faut faire ici, c'est juste last hit. T'as pas besoin de mettre des auto-attaques comme ça. Juste, tu last hit. Parce que si tu pushes, si tu mets des spells, en fait, toi, ton intérêt, c'est que les creeps, ils soient là quand la MFR vient, qu'elle puisse avoir tout sous la tour. Si tu mets trop d'auto-attaques, tu vas légèrement counter-push et c'est pas bien. Voilà, donc il faut pas juste last hit. C'est tout. Tu vois, là, tu mets trop d'auto-attaques, t'es en train de counter-push la lane. Donc au lieu d'avoir un freeze de lane et que ta MF elle se retrouve sous sa tour avec tous les creeps, t'es en train de dire aux adversaires on va se retrouver nous sous votre tour alors que la Poppy elle est à l'opposé de la map. En plus de ça tu grides, tu finis par mourir. Ouf, à peu de choses près, c'était moche. Car la MF était catastrophique. Ta 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 ta, on n'y est pas. Tu me parles d'un timing où on n'est même pas dans la game, moi je te parle de tes erreurs ici qui sont nombreuses en termes de placement, en termes de ce que tu fais avec la wave de creep. C'est pas bon du tout ce que t'as fait. Ta MF elle est laissée toute seule et tout. Là c'est tout ce qui vient d'arriver, c'est purement de ta faute Teletubbies. Parce que ce que t'as fait avec les creeps, c'est pas bon en fait, en termes de push, en termes de lane management. T'aurais juste dû last hit, il y a un blitz, tu peux pas te mettre derrière des creeps bleus. Position, position dangereuse ici. Le grab, la MF est là mais c'est compliqué, t'es pas loin de mourir. Heureusement il y a plein d'erreurs en face. Mais là en fait t'as vraiment des problèmes de positionnement et de ce que tu fais avec les creeps et ton placement par rapport à l'adversaire. Ton placement par rapport au blitz, tu peux jamais laisser un espace libre s'il n'y a pas de sbire rouge entre le blitz et toi. Sauf si vraiment t'es en train de gagner les trades, que t'as beaucoup beaucoup d'avance et que si grab, c'est limite positif pour toi quoi. Mais c'est tout. Là tu mets beaucoup trop d'auto-attaques sur les creeps, tu empêches l'MF de la site, elle a 4 CS. Hein. Elle a 4 CS mais tu l'aides pas, t'es en train de lui ruiner les CS et tout, c'est pas facile. Autre problème là, tu fais un back, donc tu laisses la MF. La wave, elle va push ici. Elle va être là, la Caitlyn elle peut freeze. Tu laisses la MF seule face à Caitlyn plus Blitzcrank. Ici, ce qu'il faut faire, à partir du moment où il y a eu des ratés avant au niveau des sbires, c'est faire un hard push pour qu'au moins la wave elle rebondisse et que la MF soit safe sous tour. Et je pense que c'est un des problèmes les plus récurrents qu'on a à très très bas niveau. Là on est sur du bronze 4, qu'on soit d'accord. C'est la gestion de lane. La gestion de lane est souvent mal maîtrisée. Vous ne savez pas quand pousser, vous ne savez pas quoi faire avec les creeps. Ça j'essaie de vous expliquer un petit peu. Donc là bon, la MF se fait grab, ok, tu mets l'ignite, soit. Mets des auto-attaques sur le blitz, hein. Globalement il est à côté de toi. Voilà, il y a un moment faut le tuer, c'est ok, l'autre elle est trop loin. Double ignite bot, c'est pas fou. Mais bon, la MF elle s'est peut-être trompée, elle voulait prendre le heal et il y a eu un petit quack et puis voilà. C'est un peu greedy, mais là il faut push. De toute façon, au point où vous en êtes, vous n'avez pas de ward. Par contre, hey, t'as deux wards, la MF elle a une ward, vous n'allez pas positionner une seule ward. La MF elle est toujours à 4 CS. On sent que c'est du bronze 4, c'est-à-dire c'est des gens qui débutent dans League of Legends et il y en a beaucoup, je suis sûr, sur YouTube aussi qui sont dans ce cas-là.
ou vous connaissez pas trop le jeu, vous comprenez pas, et c'est bien normal, League of Legends est un jeu très compliqué, très complexe. Il y a beaucoup à apprendre, mais regardez mes VOD, ça devrait vous aider à progresser. Le blitzstrat, le placement, encore une fois, n'est pas bon parce que tu t'avances près d'une wave de sbire en 1v2. Tu ne peux rien faire. Au moment où la MF revient, t'as déjà plus de points de vie, tu ne peux plus l'aider. C'est, tu vois, c'est terrible, c'est qu'elle revient, tu peux pas l'aider parce que t'as pas de points de vie quasiment. Donc c'est pas fou actuellement. Là, il y a beaucoup de sbires, tu fais un grab, mais regarde ton placement en fait. Là, ce qui est important, c'est toi, tu es focus sur « je dois toucher mon spell et ma griffe ». Le problème, c'est que en te plaçant comme ça pour toucher ton spell et ta griffe, MF, elle est là. La MF, elle est menaçante à 650 de range. C'est à peu près ici. Paf. Donc toi, tu dois rester un peu plus loin. Regarde, tiens. Qu'est-ce que je faisais? Pouf. Là, elle s'est un peu avancée. Tu t'es un peu avancé. T'es dans sa range. Et là, regarde. T'as commencé à un peu plus de 400 HP. Tu finis à 300 HP. T'as perdu 100 HP juste pour mettre une griffe qui n'apporte rien parce qu'il y a beaucoup trop de sbires. Vous n'allez pas pouvoir vous battre. La quête, pas la MF, quoi. Parler de la range de la MF, là. Attends. Ok. Je me suis peut-être fourvoyé, mais bref, vous avez compris l'idée. De toute façon, si je me suis trompé, mais merci à toi. Ça va être patient. Oui, c'est ça. Que là, en fait, j'ai l'impression que vous voulez toujours vous battre, balancer des sorts, balancer des sorts, balancer des sorts. Non, parce qu'une fois que vous avez lancé un sort, il est plus disponible pour trade. L'adversaire le sait, et vous pouvez rien faire. Là, typiquement, tu vois, tu fais encore poke, poke, poke. Pour quelle raison? Parce que tu veux absolument essayer de mettre des spells. La MF, elle me semble pas catastrophique. Elle se prend des grappes de blitz, comme n'importe qui à ce niveau-là, globalement. Voilà, c'est il y a beaucoup de gens à ce niveau-là qui se prennent des grappes de blitz. C'est normal. Oh, qu'est-ce qu'elle a fait la Kate? Ok, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ça file le kill à la MF. Peu de chance. Mais bref. Le vol de CS, c'est le but. Je voulais pas laisser avoir le farm. Bah oui, mais non. Enfin, non. Toi, tu vas faire des dégâts avec tes levels parce que t'es carry AP. Carry AP, c'est surtout le niveau de tes spells qui va faire des dégâts. Là, vraiment, sur la lane, t'as plein de problèmes de positionnement, de spells que tu envoies trop. Et en fait, c'est une misfortune qui n'a pas d'option pour s'échapper d'un blitzcrank. Et ce que tu fais avec les sbires, c'est que tu l'empêches de gérer sa lane. Tu vas la rendre un peu marteau. Donc tu vas énerver un joueur, en plus de ça, juste parce que tu n'es pas satisfait de ce joueur. Donc, ce que tu fais, c'est pas bien non plus psychologiquement, mécaniquement, en termes de positionnement, en termes de lane management, Teletubbies. C'est vraiment important. C'est beaucoup de choses, évidemment. Ça fait très dense, dit comme ça, parce que ça fait beaucoup. Mais c'est important. Là, t'es face à deux adversaires à niveau 6, tu vois, t'es encore placé trop proche. Tu as tendance à vouloir trop t'avancer pour mettre des dégâts, pour prendre du farm, sauf que ça fait que tu t'exposes énormément. Et que votre botlane, là, actuellement, elle est perdante. Je m'occupe pas de la MF. La MF fait peut-être des boulettes et tout, je la regarde pas dans le détail, je te regarde toi dans le détail. Et toi, dans le détail, ton placement au niveau de la wave n'est pas bon. Il y a des games hein, où je dis vraiment, toi tu joues parfaitement et c'est ton carry AD. Là, tu peux pas faire grand chose au niveau des sbires, vraiment juste last hit. Faut vraiment apprendre à last hit par contre, c'est très important. Le grab, parce que tu es mal positionné, une fois de plus, hein, t'es tout seul face à deux personnes, tu veux t'avancer pour aller prendre des creeps. C'est vraiment, vraiment un gros risque. T'as de la chance que ça finisse par se passer correctement. Mais à la base, qu'on soit d'accord, le move, il n'est pas exceptionnel en termes de positionnement. Et c'est ça qui, au lieu de te permettre de snowball la botlane et de la dominer, bah ça te détruit un peu. Absence d'item support. Oui, mais l'item support, il l'avait pris au début, il l'a revendu parce qu'il voulait pas laisser farm la MF, il a dit. Donc ça, c'est un autre problème, c'est-à-dire que là, comme il a revendu l'item support, il y aura beaucoup moins de wards à positionner. On est complètement d'accord, Mitanova. Ce qui est encore un autre problème. Et là, vraiment, t'as voulu jouer en mode, je suis pas content de ma MF, je vais jouer, je vais être meilleur, je vais carry. Tu as d'autres moyens de carry en tant que support. T'es pas content de ta MF, fais-lui un bon lane management à chaque fois, freeze pour elle, hard push avec elle, et comme ça, au moment où t'as hard push avec elle, à certains moments, toi, tu peux décaler mid ou dans la jungle pour aller mettre du CC et aller carry sur une autre lane. Être un carry en tant que support, ça veut pas forcément dire prendre les creeps et mettre tous les dégâts du monde. Ça veut dire faire un bon lane management, prendre de la bonne vision et pouvoir décaler pour aller aider les autres lanes ou aller aider la jungle. Or, toi, vraiment, ton placement est souvent un petit peu douteux. Là, la MF s'éloigne parce qu'elle a un peu peur. Tu vas finir dans un trap, tu vas mourir. Et là, c'est une mésentente avec la MF où elle ne savait pas ce que tu allais faire. Et forcément, elle n'était pas là à temps, mais elle n'a pas de dash pour te rejoindre en plus. Donc, ton move aurait pu passer si la MF avait su que tu allais faire ça et tout et tout. Là, bon, c'est pas facile. On est en solo queue. C'est pas facile de s'entendre. La Poppy sauve un petit peu le move, c'est cool. Donc, t'as déjà tes bots en deux et tout. T'as jamais acheté de pink, je crois, depuis le début de la game. Tu reviens, t'as 300 gold. Donc là, t'avais de quoi acheter une pink. Et t'as toujours pas positionné de ward. Hein. À chaque fois, vous avez deux stacks de ward. T'as zéro score de vision en tant que support à 13 minutes de jeu. C'est vraiment super important. C'est-à-dire que tout ce que tu fais actuellement, c'est te dire « je veux taper des gens, pote ». Tu négliges toute la partie de League of Legends qui est comment bien gérer la lane en termes de push et de freeze, aller ward, le positionnement en lane. Et c'est ces trois choses-là qui, à bas niveau, en bronze, vont vous changer la vie. Parce que si vous faites ça, vous allez vous feed à fond sur la lane.
Et si vous ne feedez pas en termes de kill, vous allez vous feed à fond en termes de CS. Parce que là, en 14 minutes, il y a moyen d'avoir 140 CS. Hein. 120, 140 CS et tout. Vous imaginez? Même si vous n'avez pas de kills, vous avez 140 CS ici. Les gold, c'est pas les mêmes du tout. Et c'est normal, c'est du bronze. Je veux vraiment qu'on soit d'accord là-dessus. On peut pas s'attendre à un très gros niveau. Mais si vous avez ces choses-là en tête, que vous maîtrisez les bases de League of Legends, ça peut vraiment vous changer la vie. Complètement. Parce que vous n'aurez pas besoin de savoir prendre des kills et d'être très fort mécaniquement pour gérer ça. Ça, c'est des choses qui sont à gérer, qui n'ont pas besoin de mécanique. C'est se positionner à peu près correctement, ne pas tout le temps essayer de se battre et d'envoyer ses spells, et aider à faire un bon lineage. T'as toujours deux stacks de ward. Hein. Tu envoies des spells et tout, t'as toujours pas positionné de ward là. Il y a des murs, il y a des endroits. Avoir la vision, c'est aussi avoir l'initiative quand vous allez vous battre. C'est-à-dire que si vous avez la vision sur un adversaire qui ne l'a pas, vous allez mettre vos spells en premier, vous allez mettre vos attaques en premier. C'est super super important ça. Hop là, la game, bon, se passe moyennement bien. On va attendre la fin de la phase de lane au niveau de bot. Donc ici, alors le fait de revenir au niveau du mid, c'est pas bête du tout. Ça c'est un E raté, on s'en moque. Le E raté, on s'en moque, c'est une erreur mécanique. Ça arrive, une erreur mécanique. Vraiment, ça, le R était pas obligatoire ici. Vraiment pas. Mais le fait que de toute façon la MF, elle est reset, elle doit revenir, et toi aussi, c'est intelligent d'aller au mid à ce timing là. Ça par contre c'est bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment aucun souci. C'est, ça se fait très bien. Donc ça c'est, ton, ça c'est la première chose que tu fais qui est vraiment maîtrisée, intelligente, avec le pourquoi du comment, parce qu'au niveau du bot side, l'AMF revient, elle est tranquille, t'as le temps de faire un petit décalage au mid. Tu vois ce que je disais tout à l'heure au niveau du roaming, selon le lane management, ça t'offre de très très belles options. Et là, mécaniquement, il y a le grab qui a été raté, c'est pas grave. On s'en moque, la désordre mécanique, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le pourquoi est-ce que tu fais certaines actions, certains placements. Donc là, ici, t'as toujours pas mid ward, on a aucune vision, même ici, il faudrait au minimum une ward là. T'as de la chance, on voit la Diana là, mais on voit pas le... Y a le... Oh, si, il y a le Ken qui est top, pardon. Ça reste un peu douteux, qu'on soit d'accord. Utilisez vos wards. Je préfère encore des wards mal placés que pas de wards positionnés. C'est super important. Bon, là, il y a du grid, machin. On s'en moque, on se trouve voir. C'est le petit Swainu. Avec, alors, pourquoi un Liandry first? Tu as plusieurs justifications possibles. Je veux que tu m'expliques, Teletubbies, pourquoi est-ce que tu fais un Liandry en priorité dans cette game. Et voilà, je veux comprendre ce Liandry en premier item. Il y a un item, on rappelle, hein. AP, mana, ability haste, et qui donne l'ability haste sur les autres items mythiques. Enfin, légendaires, pardon. Je veux une explication de pourquoi ce Liandry. Pour ceux qui se demandent sur YouTube, hein, là j'attends la réponse de Teletubbies dans le chat. Bon, là c'est un peu greedy d'aller au milieu de plein d'adversaires. Et un Swain. Ça passe. Avec une Swain, ça aurait été cool. MF est un carré, le jungle aurait été un gros carré. Je comprends pour copier. Car c'est fort, Blitz est un tank, Swain a besoin de mana et de hâte pour stack. Alors, Blitz est un tank, oui et non. Dans le sens où ce Blitzcrank, on va regarder après ses statistiques, mais en termes de points de vie, il n'y en a pas tant que ça. 7 est légèrement tanky, Blitz il a 2000 HP. C'est ok, mais globalement, ici en termes d'items, tu aurais fait par exemple le l'Everfrost, c'est intéressant parce que ça donne des HP, ça te permet de faire un peu office aussi de frontline, vu que tu vas souvent aller au cac, tu peux te faire grab et tout. L'Everfrost, c'est intéressant pour mettre du CC. Au lieu de faire ça, un Zhonya en deuxième item est vraiment très 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 sympa. Péné Dot. Alors, il n'y a pas de péné sur le Liandry. Il n'y a pas du tout. Le Dot est intéressant. La justification du Dot est bonne. L'Ability Est, pourquoi pas. Mais il y avait possibilité, par exemple, de faire l'Everfrost qui est très intéressant parce qu'il apporte de la tankiness. Ça reste acceptable, hein, qu'on soit d'accord de faire ça. Mais à mon avis, le Liandry ici n'est pas forcément le meilleur choix. Ou alors, si tu fais le Liandry, comme t'as pas de point de vie, en deuxième, fais un Zhonya. Parce qu'il faut savoir que pendant que tu es sous Zhonya, ton ulti te redonne toujours des HP. Donc c'est vachement intéressant. Et le Liandry peut être accepté en premier item, mais dans ce cas, fais un Zhonya en deuxième, c'est important. Sinon, tu peux faire un Everfrost premier. Il y a plusieurs options qui sont possibles et qui sont viables, qu'on soit d'accord. Mais voilà, faut toujours essayer de comprendre le pourquoi est-ce que tu fais quelque chose. Je pense que le reste de la game va pas nous intéresser beaucoup parce que, à ce niveau-là, bronze, je pense qu'on a vu à peu près tout ce qui comptait et que le reste un impact qui est complètement négligeable. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs sur YouTube, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une suite. N'oubliez pas de drop vos pseudos, de suivre le stream. Vous avez Discord aussi en description. Tout est là, tous les liens sont en bas. On se retrouve une prochaine fois. Passez une bonne journée et à la prochaine. Ciao.